Et est-ce que ça rec? Ça rec. Hop. Action. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait l'amour, hein. Genre le mec qui est vierge. Et je suis blanc comme neige. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein. Oui, j'adore le sexe. Ça, tu le mets pas, hein. Ça, c'est la vérité. Hi baby, c'est Lola Bellucci, bienvenue sur ma chaîne YouTube. YouTube, il est plus à jour, hein. Enfin il est vachement... Là, tu le dis depuis le début, hein. Exactement. Donc j'ai l'honneur, que dirais-je, le privilège de recevoir monsieur Vincent. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un j'ai déjà ou je n'ai jamais. Donc ça va être très croustillant, très pimenté, on adore. Est-ce que t'es prêt à répondre en toute sincérité? Genre vraiment, c'est la sincérité, t'as pas le droit de mentir. Je serai sincère, promis. Ouais, promis, ok. Il y aura plus de secret entre nous. Grave. Okay. Alors, est-ce que j'ai déjà trompé un ou une de mes partenaires? Ok, ok. En toute sincérité, on ne ment pas ici, c'est interdit. Deux, trois. Oui, malheureusement. Je suis outrée. T'as tellement l'air chou, sage, gentil. Bah ça veut pas dire que je le suis pas, mais ça m'est arrivé de faire des bêtises aussi, malheureusement. Ça t'est arrivé de pencher du côté obscur. Et j'ai penché du côté obscur, et si je peux te dire un truc, c'est que ça m'a servi de leçon. Et j'en refuse plus jamais. Ouais, de ouf. Et bah c'est le principal, j'ai envie de te dire que ça. Et toi t'as répondu quoi? T'as répondu moi, non? Moi jamais, j'ai jamais, bah oui, figurez-vous que les actrices X sont fidèles. Bah les youtubeurs aussi, hein, mais ils ont un passé parfois un peu difficile et... mais on... voilà, on est là, hein. Non mais ouais, moi j'ai jamais trompé personne et j'ai failli une fois et puis j'ai quitté la personne. Et c'est pourquoi t'as failli? J'ai failli parce qu'il y avait de la tentation autour et que la personne c'était compliqué, on s'entendait plus très bien. Et du coup voilà, avant de pencher, j'ai préféré quitter le navire. Ah ouais, mais c'est ça, en fait c'est ça qu'il faut faire. Ouais, la tromperie, enfin déjà l'infidélité, c'est... Moi je pars du principe que je fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, même si on me l'a énormément fait, je tiens à dire. Ah ouais? Ah ouais, de ouf, mais incroyable. Ah, je me suis toujours posé la question de pourquoi. C'est pas bien ça. Que je comprends pas, surtout que je suis quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit. Et ah, ça. Tu vois qui... Oui, non, mais dans je confirme. Même dans mes relations, tu vois, je veux dire, enfin... C'est censé être ton meilleur pote, etc. La personne avec qui tu partages tout, tu vois, ton mec de base ou ta meuf, hein. Et puis moi je pars du principe qu'il faut tout se dire, et si t'as envie d'expérimenter des trucs, pourquoi pas en faire part à ton partenaire. Mais voilà, pas aller la tromper ou faire des choses dans son dos, enfin vraiment pour moi les mensonges, et ça c'est un truc qui me... Grave. Ah c'est pour moi, c'est le pire truc, donc ouais, non. Ne faites pas ça. J'ai besoin d'apprendre un peu. Je vais t'apprendre à être... À être sage. À être sage ou pas. Mais je suis sage. Ça peut être l'inverse, hein. Honnêtement. Ok, next question. Next. J'ai déjà fantasmé sur un ou une de mes amies. Bah frère. Je sens déjà que c'est un oui. Bah les gars, mais qui n'a jamais... Qui bah n'a oui. Jamais... Qui n'a jamais... Bah, mais est-ce que ton ami l'a su ou pas? Oh non. Non. Non, 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 non. Est-ce que ça restera toujours en secret? Moi, je trouve que c'est important de garder ça secret, tu vois. C'est un... Ben, ça je pense ça aussi. Passe des fantasmes un peu, tu vois. Ben, je pense qu'il faut... Enfin, après, ça dépend. Si tu penses que ça peut le faire, ouais. Pourquoi pas? Oui, mais c'est au risque de briser une amitié quand même. Mais et c'est pour ça que j'ai pas dit. Ouais. Parce qu'on est toujours amis, en plus. Ben voilà. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo parce que là, toutes mes potes vont se dire ah. Mais c'est de moi dont tu parles? Mais est-ce que c'est moi? Bah ouais. Bon, je pense que ça arrive à tout le monde en vrai. Mais oui, c'est bah obligé. Oui. De toute façon, c'est... Toi, c'est un ami que t'as toujours? Non, c'est un ami que je n'ai plus. Ah, parce que peut-être ça a vrillé. Ouais, enfin, c'est un peu allé, ouais, un peu à la limite, on va dire. Donc, il n'y a pas eu, mais... Je serais curieux de connaître la limite selon toi, tu vois. La limite selon moi? Ouais, ouais, bah, c'est, limite, non, c'est quand tu vois, quand t'es ensemble et que ça devient gênant, genre, tu vois, quand t'es avec la personne. Vous êtes pas pécho? Mais tu l'as pas pécho? Ah non, j'ai pas pécho. Ok. Mais que ça se sait, genre, et du coup, bah après, ça met grave un froid. Mais ça restera... Est-ce qu'on embrasse quand même? Oui, voilà, on embrasse fort. Philippe avec deux P. Deux P pour une bonne pipe. Je meurs. Next. Sacré Philippe. Ah oui, toujours partout. Toujours
opérationnel. Alors, j'ai déjà eu des relations avec une personne mariée. Peux voter, c'est hein. Parti. Ah. Jamais. Jamais. Non. Mais moi j'étais, je le savais pas, pour ma défense, je ne le savais pas. Ah bah ça, si tu l'as caché, c'est pas bien. Et c'est arrivé deux fois. Et les deux fois, j'étais pas du tout au courant, je l'ai appris bien après. Et deux fois quand même. Ouais, deux fois. Mais je savais pas que la personne était une famille et tout ça quoi. Ah une ouais. Famille, enfants et tout quoi. Bah après ouais. Si tu savais pas, tu savais pas. Ouais. Mais je savais pas du tout. Franchement, je pense que je l'aurais jamais fait. Mais j'ai continué quand même après. Je dois dire. En l'ayant su. Mais oui, mais c'était trop tard. Ouais, mais quand même. Oh, c'est... Ah ouais, oh, mais putain, bravo. Mais je m'en veux, ma conscience est souillée, je peux vous le dire. Ah bah, et ça genre, vraiment, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et voilà. Moi, quand je me marierai, ça sera. Mais c'est ça, de base, je comprends pas pourquoi faire ça en fait. C'est clair, t'as une famille, t'as des enfants, etc. Peut-être ça. T'as pas tout dans le couple. Il est peut-être plus marié là. Hein. Ah si, si. Ah ouais, toujours, t'as des nouvelles. Bah d'ailleurs, ça continue encore, hein, votre histoire. Ah, c'est bon, pas... allez, stop là. C'est bon, ça va trop loin. Ça brille là. Okay. Je suis mort. Alors, j'ai déjà eu des blessures à cause d'un rapport sexuel. J'aime bien cette question, elle est marrante. Genre, grosse blessure ? Blessure ou peu importe quoi, une blessure, ça peut être une petite blessure comme une grosse blessure. 1, 2, 3. Ah, mais non. Si. Bah, si. Il s'est cassé le frein. T'as voté quoi ? Bah, oui. Bah, c'est oui. Pas toi. Je dois raconter ? Oui. Une petite anecdote, c'est après. Bah, c'est en vrai, je vais pas raconter. Ça arrivé plusieurs fois, des blessures, des petites comme des grosses, mais généralement, ouais, une petite brûlure quoi. Genre des. Ou alors, moi, il y a un ça truc qu'on m'a fait souvent, malheureusement. Enfin, je sais pas si c'est. Voilà. Mais on aime bien me griffer un peu. Et genre, une fois, ça m'a griffé fort, tu vois. Genre. Moi, ça grippe. Genre, vraiment, en sang, le dos, qui avec des traces et tout. Oh putain. Et ça arrivait plusieurs fois. Plusieurs fois, ok. C'est sauvagerie, un petit peu. Bon, et toi, on aimerait savoir aussi, du coup. Oh, moi, pas qu'une. Hein. Ah ouais. Non, je me suis cassé une côte. Ah non, mais c'est des blessures vraiment pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool. Il y a eu des petites blessures, du genre, t'as vu des traces, des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a eu des grosses blessures, et je pense que la personne en question va sûrement regarder cette vidéo. C'était quoi? Genre, il t'a cassé un bras, et il t'a non. Dit, vas-y, bam, et non, il non, t'a... Non. C'est quoi une, moi, je veux savoir. Une fissure anale. Et pas des moindres, genre vraiment une bonne fissure anale qui fait très mal. Tu peux plus aller aux toilettes, tu peux plus t'asseoir, t'arrives plus à respirer, enfin genre l'enfer quoi. Et mais ça a duré. C'est pas du sexe. Ça a duré un mois. Mais je, en fait. Si un je, mois ouais. Ça a duré un mois. J'étais obligée de prendre des laxatifs et tout son. Puisqu'on est dans la confidence, je me laisse le dire. Oh ouais, mais bah... c'est vraiment hyper douloureux. Je crois que c'est la pire douleur que j'ai pu sentir, je crois. Vraiment. C'est hyper douloureux. Et, ouais, je te demande pas comment genre, ça s'est fait. Oui, bon bah voilà, on va pas vous faire un dessin, mais ouais, franchement, je suis rentrée chez moi en boitant. Bah... Vraiment pour le coup. Ah bah c'est bien, moi, sur cette chaîne, ça se lit. Ah là, ça se... Y a pas de tabou. Là, c'est confidence, hein, ça y va. Non, ah ouais. Ça, c'est pas quelle histoire, et vraiment, pendant un moment, j'ai très peur de faire des rapports sexuels. Par la petite porte. Par la grande porte, du coup. Moi, pour la moi, c'est okay, la petite, du coup, petite porte. Hein, c'est plus étroit. C'est vrai, c'est pas ok, donc voyons les choses comme ça. Mais ouais, donc du coup, ouais, pendant un moment, c'était... J'ai un qui m'appelle en même temps. Merde. Je suis en train de faire un porno. Oui. Next, donc voilà, après cette sympathique petite histoire. Par la petite porte. Par la petite porte. On peut passer à la question suivante. J'ai déjà eu une relation avec une personnalité connue. Attends. Ah. Connu. Bah connu, j'entends par là. Ouais, genre, connu, tu vois. Genre, ça a des followers. Voilà, sur... ça a des followers, c'est médiatisé. Etc. Ok. 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 Un, deux. Attends, je vais m'arrêter. Trois. Jamais. Je suis outré. Bah pas encore. J'suis non. Alors j'ai déjà, alors pour ma défense. Avec des meufs d'Insta, genre qui ont quelques followers, mais elles sont pas connues. Okay. C'est déjà arrivé. Mais connues, genre en mode café de la télé ou des trucs comme ça, jamais. Ou du porno, Oui, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Jamais. Ok, ok. Bah, et toi, du coup, faut que tu te livres là. Mais je peux pas en dire trop, c'est ça qui est délicat. Le plus connu, ça a failli, mais ça ne s'est pas fait du merci parce que j'ai une conscience et qu'il y a eu un gros truc derrière.
Éric Zemmour. Non, mais il faut vraiment que je te le raconte. Mais c'est un dos quand même. Mais après, je sais pas, il faut vraiment que je le garde pour toi. Bref. Sinon, soit oui, j'ai déjà eu des relations avec des personnalités connues, notamment des personnes qui ont fait de la télé. Pour ne citer aucun nom. Comme ça, ça reste un peu flou. Moi, j'ai pas encore passé ce cap, mais si ça vient. Mais c'était même pas par. Genre, je me tape quelqu'un connu, pas du tout, tu vois. Genre, bon feeling. Bon feeling, c'est tout, ouais. Voilà, ça s'entend bien. Et il s'avère que oui, cette personne est derrière moi. Et voilà. Donc, quelqu'un de YouTube ? Je creuse un peu pour vous, comme ça, on essaie de. Aussi. Mais moi, je sais pas non plus, aussi, hein, donc. Aussi. Bon, du milieu du porno. Oui, bah, porno, c'est. En détente. Comme ça. Ouais. Détente, mais vraiment au milieu. Ah, voilà, c'est bon, j'ai répondu à la question. Je non, mais c'est bien, tu t'es pas défilé. Et ça, ouais. Ça c'est bien. Ouais. Donc, tu t'as pas cité de nom. Bon. Ouais, non, mais vraiment, là, ça serait très malaisant pour les personnes concernées. J'ai déjà été surpris en plein acte. Oh oui. Pardon, j'ai. Il a déjà dit ça. J'adore. Moi, je le mets comme ça. Moi, ça m'est arrivé, je veux dire, mais alors, plein de fois. Genre, vraiment. Okay, bah. Trop de fois. Mais jamais par mes parents, par exemple. Mais par les potes, genre. Ouais. Ok. Ouais, ça arrive plein de fois. Sympathique. Tu sais qu'en vrai, c'est. C'est ça, parce que le plus gênant, je pense, c'est les parents. Ouais, parents, non. C'est. Alors, une fois, ma mère est rentrée, on était. C'était la fin. Ok. Mais c'était fini, donc. Relax. Je pars du principe qu'elle le sait pas. Mais. Je te vois de la face, Vincent, tu te vois de la face. On en a pas parlé. Mais après, ouais, par des potes, c'est arrivé. Ok, non, moi jamais. Toi jamais ? Ouais, jamais. Alors, non, ça a failli. Ils sont déjà sur le plateau avec les lights sont comme ça. Exactement. Ils le savent. Ils ont pas surpris. Exactement, je peux pas me faire surprendre, ouais. Mais, même avant, de faire du porno, ça m'est jamais arrivé de me faire surprendre en pleine action. Par contre, au début où ça a commencé, j'entendais ma mère arriver. Et là, d'un coup, c'était la crise de panique, on remonte les braguettes et tout ça. Puis. Faites quoi ? Bah rien, genre rien du tout, mais genre juste la table, on était pas en plein action. Ouais, donc elle aussi, elle se doute un peu d'un bail. Elle se doutait très fortement. Mais sinon, ouais, c'est ça. Eh bien, on va l'appeler tout de suite, on va lui demander. Allô, maman ? Petite information. Je suis en tournage. Le fameux Philippe avec 2P. Exactement. La ref, mais vraiment la ref. Cette ref, elle est incroyable. Incroyable. Donc ouais, ça ne m'est jamais arrivé, donc c'est cool. Ok, j'aurais pensé l'inverse, tu vois. Eh ben non. J'ai déjà pris la fuite après le coït. Bon, ça, c'est vraiment pas cool. Mais. Wow. T'as voté oui ? Oui, fort. T'as déjà fait ça ? Fort. Parce que, en fait, déjà, le fait jamais, c'est horrible. Ouais, mais parce que, enfin, je sais pas, je déteste dormir chez des plans cul, tu vois. Ouais, ça, et je comprends. Et ça me mettait mal à l'aise, genre, de faire des câlins, des trucs comme ça et tout, genre non, tu vois. Et du coup, bah, le mec s'endormait, puis moi, je me barrais, mais. Ah, pendant qu'il dort ? Ah oui. Genre, le mec se réveille, ouais, il est là en mode. Y a plus rien, à part ma petite culotte, mais. À part les lingeries stylées. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, c'est pas bien, tu vois. Ça, ouais, non. Mais je sais que même moi, je détesterais qu'on me le fasse. Et c'est vexant. Moi, si on me l'avait fait, on me l'a jamais fait, je l'ai jamais fait. Ouais. Mais alors, vexant. Genre, tu t'échappes par la fenêtre, tu te fais une échelle avec. Non, mais tu rigoles, t'as les talons dans la main, t'es là, tu marches sur la pointe des pieds, tu souffles la porte un tout petit peu, faut pas que le parquet grince, genre, horrible. Mais moi, ma conscience, elle me dit putain, t'es vraiment une pute. Oups. C'est très drôle. Ouais. C'est pas bien le fait de jamais. Non, grave pas. J'ai déjà utilisé de la nourriture pour un rapport sexuel. Ou alors c'était gourmand comme Philippe. Le bon et de chevet, c'était quoi ? Un petit gratin dauphinois, hop, dans le cul. Donc du coup on donne notre réponse. Bah. C'est parti. Oui. Oui. On joue pas avec la nourriture. On joue pas avec la nourriture, mais voilà. Oui, mais bon, pour le délire, voilà. C'est quoi ton projet ? Dans ce sens-là. Non, je me suis jamais mis un légume dans la petite porte. Mais par contre, j'ai déjà mis nourriture, genre de la chantilly, tu vois. Oui, voilà, c'est ce que j'entendais. Ouais. Nutella. Genre jamais, genre, tu vois, je t'ai pas fait des sushis sur le truc et en mode rigole-toi. Non. C'est de la chantilly classique. Un plateau de sushis. Ouais, mais tu sais, j'ai pas fait des dingueries de ouf, hein. Genre chantilly, je pense, c'est un truc, voilà. Ouais, bah, il y en a qui ont fait Nutella, ça j'ai jamais fait. Mais Nutella. Moi j'ai déjà fait Nutella. Nutella ? Ouais. Et le pire qui est dégueulasse et écœurant, c'est le lait concentré, genre plus jamais. Plus jamais. Genre, mais comment tu se mets du lait ? Bah, tu sais, le lait concentré, là, les petits trucs. C'est comme un. Un tube. Qu'est-ce qu'il anime ? Ouais, c'est un tube comme ça, hein. C'est un tube de lait écrémé.
Les crémés, ça les concentrés. Chauffe. Bah ça chauffe pas du tout. Et bah c'est dégueulasse, c'est, déjà c'est tellement sucré que ça va vomir. Donc voilà, je dirais que le meilleur truc c'est peut-être le la chauffe. Le mec t'a fait un dîner quoi. Oh mais grave, j'ai pris 20 kilos juste pour un rapport. Ça valait même pas le coup. Non. Mais voilà. Par contre, Nutella, ouais c'est pas dégueu, mais c'est au bout d'un moment tu vois, tu dis ouais, le Nutella c'est pas censé se manger comme ça quoi. J'ai connu sous de meilleurs. La chantilly non plus d'ailleurs, je te rassure, mais rien ne se mange comme ça. Ouais, mais c'est, le Nutella, mais d'accord, ouais, c'est pas tout. Tous mes potes ils l'ont fait, moi c'est j'ai jamais pâteux, fait. Le Nutella. Je sais pas comment emmener le truc et je sais pas, je pense que ça me chauffe pas. Non, mais déjà c'est pas hyper agréable en termes de sensation, je pense. Ouais, puis après t'as un. Oh non, oh, c'est bon. C'est quoi, c'est dans toutes les petites parties, genre. Ouais, ouais, puis ça ressemble à de la merde. Enfin, je sais pas, t'as ça, après t'es là, bon, bah, j'ai l'impression que okay. Le trajet par la petite porte s'est mal passé. Oui, il y a une petite. On a dévié, on a dévié. Next question. On est en roue libre depuis le début, là. Bah, ça y est, je donne. Hein. C'est gratuit. Ah, voilà. Profitez-en, ce sera pas tous les jours, ça. Donc aussi pour moi, c'est gratuit, démonétisé très fort. De toute façon, toutes mes vidéos, je pense. Bon, là, de toute façon, nous deux, là, c'est démonétisé, donc. Très fort. Bon, celle-ci, à mon avis, ça va être en oui collectif. J'ai déjà envoyé des nudes. Fais pas le mec, s'il te plaît. Jamais. Arrête. Jamais, mais mon angoisse. Mais arrête. Jamais mon angoisse. Oh, j'en ai déjà reçu beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Okay. Et merci Bastos, voilà, de m'avoir médiatisé. Grâce à lui, tu reçois des centaines. J'en ai reçu beaucoup, ouais. Non, vraiment beaucoup. Surtout quand c'était le tout début. Maintenant, beaucoup moins. Mais j'en ai jamais envoyé. Parce qu'il va y avoir une petite vague là, après les vidéos. Là, c'est... Ouais, voilà, c'est on verra, mais non. J'en ai jamais envoyé. Genre ma bite, j'ai jamais envoyé. Des photos un peu genre en mode détente et ça, mais on voit jamais mon sexe quoi. Ok, donc c'est pas des vrais nudes. Non, c'est pas des vrais nudes, jamais fait. Ok, putain. Bon, moi j'en ai envoyé et pas qu'un, n'est-ce pas? Mais tu fais des photos ou tu fais une vidéo et tout? Photos et vidéos, mais t'es complètement inconsciente parce que y a plein de nudes à moi qui ont fait. Des petites tournées quoi, donc c'était fort sympathique. Wow. Ouais, bah tu vois, moi c'est exactement pour ça que je le fais pas, mais même avant d'être entre guillemets connu. Ouais, oui, d'avoir un petit. Tu vois, c'est. Ouais. Voilà, moi c'était pas du tout un truc qui me chauffait, j'avais toujours peur que des gens tombent dessus ou quoi, je me suis dit c'est pas. Bah moi justement, c'est ça qui m'excite un petit peu, je pense, le risque, tu vois. Ah ouais ça, c'est... Moi ça me fait trop peur pour que ça m'excite, donc non, jamais. Je pense que ça va être un oui collectif. Bah je suis non. Déçue. Je suis déçue. J'aurais pensé peut-être que ce serait plus croustillant. Ah bah attends, je donne hein, quand même. C'est vrai, tu donnes. Mais bon, je suis un petit peu déçue quand même. Je me suis déjà filmée pendant un rapport sexuel. 1, 2, 3. Oui. T'en vois faire des livres, mais tu fais des vidéos. Ok, le mec a pas Il y a une explication à ça, okay, une fois. Bah j'ai longtemps été en couple, enfin pendant un an avec mon ex-copine, okay. Et on était ensemble, on vivait à Madrid, parce que moi j'ai beaucoup vécu en Espagne, et en fait elle était d'Italie, enfin elle est toujours d'Italie, et du coup on savait qu'on allait pas se voir pendant les vacances scolaires, et du coup on s'est dit bah voilà, pour garder un bon souvenir de nous, bah autant qu'on immortalise un petit peu ça. Okay. Mais après voilà, c'était pas, j'ai pas envoyé de nudes de quoi, vu que on l'avait filmé avec son téléphone. Okay. Et du coup, je me suis. Enfin, j'avais pas dit non. C'est genre du temps que vous étiez pas ensemble. Voilà, ouais. Je lui faisais confiance, je me suis dit elle le fera jamais tourner, parce qu'en plus de ça, c'était un petit peu son idée, moi j'étais pas contre. On avait la vidéo tous les deux, c'était. Ouais, c'était. Intime. C'était... Et... De manière, oui, c'était dans votre relation de couple, donc voilà. C'était pas. Ça, c'est ok. Ok, ouais. Okay. Après, mais on l'a tous les deux effacé, l'un en face de l'autre, quand on s'est séparés, ouais. Ok, bon, ça va. Ouais. T'es un mec correct, t'es un mec bien. Bah, c'est normal ça, en vrai. Attends, non, tu bah, c'est la normal. Il y en a plein qui gardent des vidéos et qui en font des choses pas très très bien. Mais... Ouais, vous êtes des c***s. Ça, tu le bipes. Sinon, c'est sûr, tu vas être démonétisé là. Mais déjà, je le suis. Je, quoi qu'il je te donne du taf au montage, c'est cool. C'est quoi qu'il arrive, je le suis. Donc, bon. Ouais, moi j'ai. Bah, oui, je me suis déjà filmée. Même avant. Enfin, quoique avant, c'était pas du tout un truc que je faisais. Mais je l'ai fait pour la première fois, je crois que c'était pareil avec un de mes ex. Après, c'est voilà. Quand t'es dans le délire et tout, genre. Mais si c'est ta copine ou ton copain, ça fait ça un passe. Moment, c'est un souvenir, ouais mais c'est ok, je suis pas contre. Hein. Moi je pense que dans son couple et tout, enfin, ça peut être fun. Mais... Grave, ça rajoute du piment, c'est cool. Grave, donc ouais. Ouais, validé. Validé. J'ai déjà regretté d'avoir couché avec quelqu'un.
Regretter, c'est dur quand même. Genre, tu t'es pas dit un jour, ouais, en fait, ça allait pas tant l'appel que ça, genre une. Ouais, tu vois, bien sûr que oui, mais je veux dire, c'est pas regretter. Regretter, c'est genre en mode, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Mm. Ouais, bah si. C'est oui, bah. Attends, moi j'ai pas. T'as voté quoi, toi? Bah oui. Bah ouais, bah, oui. Oh là là. Bah moi, c'était souvent les fins de soirée où voilà, t'as un petit verre dans le nez, tu sais pas trop. Et des fois, ça valait clairement pas le coup. Et c'était un échec parce que tu sais, tu vas pas trop clair quand t'es un peu. Tu vois. Ouais, donc, quand tu réalises et que t'es un peu moins bourré, bah des fois, c'est une grosse déception. Ouais. Et ça m'est arrivé deux fois dans des situations et je sais que maintenant, ça n'arrivera plus jamais. Donc, ouais. Bah, moi, c'est quand j'ai malheureusement trompé ma copine. Ah oui, ça, c'est dur. Ben ouais, j'ai regretté parce que je me suis dit ça en valait pas du tout la peine, ouais. Et j'aimais beaucoup mon ex-copine et je me suis dit vraiment quel con quoi. Ouais, t'as chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. Fort. Très fort. Soyez fidèles s'il vous plaît les amis. Ben ouais, bon après j'ai plus jamais trompé, ça m'a servi de leçon et ça me servira de leçon toute ma vie. D'accord. Voilà, ça a été le plus gros regret de ma vie je pense et l'un des seuls, donc ouais. Je donne tout dans cette vidéo. Grave, genre vraiment c'était confession intime. Je vais la faire comme ça sur ma vie, je vais l'appliquer. Confession intime avec Vincent. Avec Vincent. Ah ouais, fort. Très stylé ce titre de vidéo. Mais écoute, voilà, mes petites questions sont terminées. Là, on est clairement enroulés. On n'y est pas, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Si je puis me permettre l'expression. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la tournée. Il reviendra très prochainement sur ma chaîne YouTube. Mettez un maximum de likes pour que je revienne. J'ai envie de revenir, j'ai envie de me confier. Oui. J'en ai gros sur la patate. Oui, et peut-être dans le caleçon, qui sait. Je sais pas du tout, je n'ai pas vu. Direction la barre d'infos pour retrouver la chaîne YouTube de Vincent. Pour retrouver aussi ses réseaux sociaux, son Instagram. Et pas son mime pour le coup. Non, pas mon mime. Vous serez très déçus. Et sur ce, on fait plein de bisous. Muchas besos. Ciao les sangs.